Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste, je suis trop contente de vous faire cette vidéo puisque c'est encore un swap. Alors vous allez vous dire encore parce que j'en ai fait un très récemment avec Mélissa qui était un swap vide tiroir. Donc là c'est un swap que je fais avec Emily. Donc Emily c'est une fille qui avait une chaîne il y a quelques temps de ça sous le nom de Emmy Beauty Addict. Et pour que le PM, voilà, elle a arrêté sa chaîne, elle ne fait plus de vidéos. Et à partir du moment où elle avait créé sa chaîne, déjà sur Instagram, on avait beaucoup sympathisé, on avait vraiment accroché toutes les deux. Et il y a vraiment très longtemps de ça, on avait décidé de faire un swap. Mais j'ai eu quelques petites embûches de mon côté, donc du coup j'ai pas pu le faire aussi vite que voulu. Donc voilà, là on y est enfin arrivé parce que vraiment, mais vous imaginez pas le temps qu'on a mis pour, enfin, que j'ai mis pour faire ce swap. Vraiment j'ai galéré et vraiment je voulais que ça soit juste parfait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon temps et lui offrir les meilleures choses qui soient, parce que vraiment c'est une fille que j'apprécie mais énormément, vraiment on se parle souvent, enfin voilà tu sais ce que je pense de toi Emily, et on se parle énormément souvent, quasiment presque toutes les semaines c'est sûr qu'on se parle, voilà. Donc vraiment c'est une très belle amitié qui s'est construite entre nous, donc encore merci les réseaux sociaux. Bref, je vais arrêter de parler. Donc c'est un swap avec Emily. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos si cela vous intéresse, puisque du coup elle n'a pas de chaîne YouTube. Je ne sais pas comment je ferai pour essayer de vous montrer ce que je lui ai offert, puisque du coup elle n'a pas de chaîne. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus le but de se montrer, voilà. Mais moi, je suis tellement contente de filmer ça à chaque fois que... et puis absolument qu'elle voulait voir bien sûr ma réaction, donc je me suis filmée. Donc c'est un colis juste énorme qui fait plus de 6 kilos. Moi je crois qu'il faisait 4 kilos, presque 5 kilos, quelque chose comme ça. Donc... elle est tarée. La première chose, donc j'ai ouvert pour y enlever en fait tous les petits trucs et tout, donc c'était hyper bien emballé, ça sent hyper bon, donc je sais pas si tu l'as parfumé ou si c'est quelque chose qui est cassé, j'espère pas, mais ça sent extrêmement bon. La première chose que j'ai vue, c'est ce magnifique carnet avec un élastique. Alors je ne sais pas où tu trouves ça, mais il est juste magnifique. En plus il est un style pas cartonné, mais j'adore la matière. Et du coup dedans elle m'a mis le menu. Et il y avait une petite lettre donc à lire, donc qui est juste trop mignonne. Donc elle m'a dit, ma chérie, quel bonheur de faire enfin ce swap avec toi. Elle avait accentué le enfin parce que c'est vrai que j'ai bien galéré. Cette amitié qui a démarré sur Instagram est l'une des plus belles que j'ai connues. Merci d'être toujours là pour moi. J'espère que ce paquet te plaira. Ce swap est rempli d'amour. À bientôt, Emily. Donc avant de commencer, elle a mis plein de petits trucs qui ne sont pas emballés. Donc j'ai fouillé un petit peu, donc j'ai trouvé deux masques. Donc j'ai jamais testé ces masques là. Donc là on en a la tequila, enfin vraiment des petits masques comme ça. Donc ça c'est trop cool. Et elle m'a mis, mais vous imaginez même pas, plein de bouffe. Mais alors ça, il me semble que c'est des petites sucettes qui pétillent, si je pense, mais je suis vraiment pas sûre. Il y en a partout, il y en a là, il y en a là, il y en a à la fraise et au coca. Donc il me semble que c'est les petits trucs qui pétillent, mais je suis vraiment pas sûre. Mais je pense que c'est ça. J'en mangeais quand j'étais petite, donc j'adore ça encore. Après elle m'a mis des petits bonbons, ça je connais absolument pas. C'est vert et rouge au watermelon. Je pense que je vais aimer, c'est tout à fait mon style de bonbon. Ensuite elle m'a mis ça, donc ça doit être une spécialité de chez vous parce que Mélissa m'avait mis ça aussi dans le swap à la fraise, elle me l'avait mis. Et là c'est au chocolat, j'avais beaucoup aimé la fraise, notamment mon chéri qui avait beaucoup aimé, donc je vais lui faire goûter le chocolat et ça sent trop bon. Là tu pouvais pas mieux tomber parce que je suis trop fan de ces petits bonbons, les célébrations, mon dieu. Il y a des Bounty, il y a des Mars, il y a des... Merci Emily pour cet été. Voilà, c'est juste énorme, encore merci. Après elle m'a mis des Kinder. Des Kinder quoi, enfin, qui n'aime pas les Kinder, vous me direz, voilà, j'adore. Après, elle m'a mis, alors ça, c'était trop joli, elle m'a mis une tasse Home Sweet Home, donc quand je prendrai mon petit déjeuner, ben je penserai à toi, merci ma chérie. Vraiment, je suis trop contente, c'est du chocolat, donc il a l'air vraiment trop bon, et la tasse, elle est vraiment trop belle, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vois qui n'est pas emballé? Donc, je vois cette petite... Oh, elle est magnifique. J'adore. Bon, les guirlandes, j'adore. J'en ai une juste là qui est entre mon bureau. J'en ai une autre autour de ma Vernitech. Et celle-là, elle est sublime. C'est des petites roses. Oh là là, elle doit être trop belle quand elle s'allume. Oh, j'adore. Je sais déjà où je vais l'accrocher. Je t'enverrai une photo direct. Là, ensuite, je vois une petite pochette. Elle était écrasée. Elle est trop mignonne, elle est toute petite. Mais il y a des échantillons partout. Un échantillon Dior. Capture totale nuit, crème de nuit, haute régénération.
Normal. Elissa Bleu Parfum. Oh là là. Makeup Forever. Herborian. Alors ça c'est trop bien parce que je voulais trop la tester. Oh là là, il y a plein d'échantillons, mais t'es une grosse malade. Sephora, crème de douche très nourrissante. Mais moi j'ai pas tous ces échantillons, je sais pas comment on fait pour avoir autant d'échantillons. Le fond de teint Clarence. Lolita Olympica Urban Decay. Benefit. Benefit. Mais oh, en plus je voulais trop la tester aussi, celle-là, The Pore Professionnel. Oh là là, ma chérie, mais ah, mille merci. Là aussi, il y a Burberry, l'eau de parfum. Oh là 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 là. Mais j'adore le parfum Burberry, c'est l'un de mes parfums préférés. Bioderma, Sebium. Oh là là, c'est trop bien. Urban Decay. Il y a plein d'échantillons. Alors ça, c'est juste génial. Allez, on commence. Donc elle m'a écrit le menu sur le beau carnet Keep Calm and Go Shopping. Ça, c'est parfait pour nous, je pense, les filles. Alors, numéro 1. Il me semble que tu voulais tester cette marque couleur pour cet été. Pff, les paquets sont magnifiques. Je sais pas comment je peux vous montrer, mais en fait, ils sont tous emballés comme ça, dans un bleu ou dans un violet, comme ça. Elle a collé des petits trucs, mais moi, je suis un peu ridicule à côté avec mes petits paquets. Je suis désolée, j'espère que ça te plaira quand même. Alors le 1, je l'ai trouvé. Regardez ça comme c'est juste trop joli. Je sais pas où je vais mettre tous ces papiers parce que la vidéo elle va durer 100 ans, parce que je vais la faire en deux parties parce qu'elle a été mais adorable. Je crois que je vais pleurer à force. Vous m'offrez toujours dans les songes, mais j'ai toujours envie de pleurer. Mais en plus celui-là, enfin voilà, on l'attendait tellement. C'est la marque Barry M. Alors les packagings, ils sont juste magnifiques. Et les couleurs pour cet été, comme je crois que tu me le dis, ouais, couleurs pour cet été. Oh, regardez-moi ça. C'est un vert menthe magnifique et un rose. Oh là là, ils sont juste sublimes. C'est vraiment des couleurs douces et tout pour l'été, avec un joli bronzage. Donc ça, c'est un effet mat, je pense. Et ça, c'est shine, ouais, ça brille. Donc, j'ai jamais testé, merci. Mais deux, un peu cucu, je l'avoue, mais j'ai pas pu m'empêcher. Trouveras-tu à quoi elle sert? Le 2. Oh là, mais il y a tellement de paquets, je sais pas comment je vais faire. Je l'ai trouvé. Regardez ça, comment c'est trop joli. C'est trop joli. Alors, donc un peu cucu, je l'avoue, mais j'ai pas pu m'empêcher. Trouveras-tu à quoi sert-elle? Alors, ça sent vraiment trop bon, mais tu as embaumé ma chambre. Voilà. Je penserai à toi à chaque fois que j'en ai ma chambre. Ça sent vraiment trop bon. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Le papier, il est magnifique, il brille, c'est un joli bleu. Oh, c'est trop mignon. Mais t'as raison, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est des petites têtes de renard. Oh, c'est trop mignon. Non, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je suis... Alors, on a un petit, je pense, c'est un renard, un petit pug et un petit panda. Clock House. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je t'enverrai un message parce que je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que... Je sais. C'est trop mignon, en tout cas. Ça en mousse, ça se plie. Je sais pas. Ça vient de chez CEA. Mais je sais pas à quoi ça sert. Non. Ensuite, le 3, Temptation. Temptation. Alors, le numéro 3. Le numéro 3, où est-il? Alors, le numéro 3, c'est celui-là. Si je pense ce que... Si j'ai raison, enfin, si je pense que c'est vraiment ce que c'est, tu es une grosse malade. Mais vraiment. Oh là 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 là. Mais c'est là, j'ai failli me l'acheter en plus en vente privée là récemment. Heureusement que je ne l'ai pas faite. Elle sent trop bon. Là en plus, je suis en pleine découverte. Ça fait quelques mois que je suis en test des brumes Victoria's Secret et je suis mais conquise à fond. Donc tu pouvais pas mieux tomber. Et en plus. Oh là 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 là, un délice. Moi j'adore les odeurs fruitées. Donc mango, nectar et hibiscus. Merci encore une fois, elles sont trop bonnes. Numéro 4, jamais testé, tu me diras ce que tu en penses. Numéro 4, ouh, j'ai trouvé de suite. Bon, mais tes paquets sont trop beaux, vraiment. Oh, pour lui essence, j'adore cette marque. Donc c'est la All About Matte, donc c'est un fond de teint, 20 Matte New, 12 heures, et qui garde la peau mate. Trop bien, donc j'ai jamais testé moi non plus, ben, je t'en dirai des nouvelles, ça c'est clair. J'aime beaucoup la marque Essence, donc je testerai très vite. 5, en espérant que tu l'aimeras à ton poignet. Un bracelet, c'est une manche, oh là là, c'est une manche, elle est magnifique. Mais c'est une grosse dingue. Elle est sublime, vraiment. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Mon dieu, oh là 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 là. Regardez ça, comment elle est sublime. Pff,
vraiment, j'ai pas du tout de manchette comme ça, je trouve que ça fait tout son effet. C'est... Là en plus pour l'été, la couleur dorée, elle est sublime. Je sais pas du tout d'où elle vient, mais vraiment merci, elle est magnifique. Je pense que je l'aimerais à mon poignet, j'en suis sûre même. Numéro 6, une fois testé, je veux goûter. Une fois testé, je veux goûter. À manger encore? Tu m'as donné à manger encore? Non, le 6. Je l'ai trouvé, il est énorme. Qu'est-ce que tu voudras goûter une fois testé? Oh, trop bien ma chérie. Ah, c'est trop bien, j'adore ça. Je vais y arriver. C'est un moule, donc, avec plein d'emplacements en forme de cœur. Oh, c'est génial. J'adore faire de la pâtisserie, je pense que tu le sais forcément, sinon tu ne m'aurais pas pris. En silicone en plus, c'est trop bien pour laver. Oh là 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 là. Eh bien écoute, donc un jour tu viendras chez moi et je te ferai, tu traverseras toute la France pour venir chez moi et je t'en ferai avec le plus grand amour, voilà, en forme de cœur. Oh, merci. En plus la couleur elle est trop belle, voilà, tant qu'à faire. C'est juste génial, vraiment. Numéro 7, détends-toi. Alors... Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une forme bizarre. J'ai trouvé l'emballé en forme de bonbon. Une recette détente. C'est un produit Lush. Ah, je suis trop contente! C'est ça qui sent, je crois, dans le paquet. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Bah, j'espère que tu aimes parce que t'en auras aussi dans ton petit swap. Alors, c'est la Twilight. Mais non! Oh là 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 là. Je veux la voir, hein, je l'ouvre. Hein. De toute façon, on voit où on en est. La vidéo va durer 100 ans. Oh, elle sent trop bon. Regardez-moi, ça, elle est toute rose, toute belle. Elle est énorme. Elle est sublime avec les étoiles. Oh là 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 là, elle est trop belle. Trop, trop belle. Pff, non mais merci, merci. Numéro 8, l'odeur est spéciale, mais j'adore l'effet sur la peau. L'odeur est spéciale. Si l'odeur est spéciale, numéro 8. C'est énorme, c'est lourd. Un gel douche. Ah, je les avais vus à Carrefour et j'ai jamais testé. Et parce que pendant les promos, je crois qu'elles étaient soldées et j'ai jamais testé. C'est une eau aromatisée de rose à base d'huile essentielle, soin du visage, tonifiante et rafraîchissante. Ça va l'odeur, moi ça me déplaît pas trop. C'est une odeur de rose, moi j'aime beaucoup, c'est doux, donc tant que c'est pas une grosse odeur. Moi non, moi l'odeur ça va. C'est spécial, ouais, mais ça me convient, donc parfait. Trop trop bien. En plus, si on voit des produits que j'ai trop envie de tester et tout, donc c'est vraiment trop trop bien. Numéro 9, encore un de plus pour ta douche. Gel douche. Un gommage, un shampoing. Un cottage. Vu la forme, c'est un cottage. Ah, j'ai trop content. J'adore les gel douche cottage. J'ai l'impression que moi je suis en train d'en tester et tout. J'adore de plus en plus cette marque. C'est celui à la pêche. Pff, non mais tu lis dans mes pensées, sérieux. J'ai failli l'acheter ce week-end. Je ne l'ai pas acheté non plus. C'est celui à la pêche blanche. J'ai hésité. À la place, j'ai pris celui... le violet, mince. Non, pas au thé. Ben, j'ai pris le violet. Je crois que c'est la figue ou quelque chose comme ça. Oh, il sent trop bon. J'adore les odeurs fruitées. Tu me connais tellement bien. Il... Numéro 10. Un beau teint, même sous la neige. Un beau teint, même sous la neige. Ton indice ne me parle mais absolument pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Le 10. Alors là, je dirais que c'est un produit pour le thé. Mais même sous la neige, je sais pas. C'est un bronzer, je pense. Je pense que c'est un bronzer. Oh, elle est magnifique. C'est un produit chez Essence. Bon, bah, toujours, j'aime toujours les produits Essence. Donc, c'est ouais, une mosaïque. Donc, il y a plusieurs teintes. C'est trop joli. Elle est un petit peu irisée. Ah, elle va être sublime, ouais, c'est vrai, pour cet hiver ça va être trop trop joli. Elle est... Déjà là, le truc il est magnifique là, le packaging. Vous voyez là, oh, trop bien, je suis trop contente, j'adore. Ensuite numéro 11, je l'imagine déjà à ton cou. Bon ben j'imagine que c'est un collier, je pense. Alors le numéro 11, il est là, il est là.
Alors, ouais, je suis quasiment sûre que c'est le collier, je pense. Parce que je vois pas ce que... Il est sublime. Mais comment tu connais mes goûts comme ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est couleur. Mais t'es une grosse malade. Regardez-moi ça. Oh là là, il est magnifique. Il est sublime. Vraiment, les couleurs, elles sont... enfin, c'est tout à fait le style de collier que je porte. Je pense que vous les voyez souvent dans mes vidéos. C'est parfait, encore merci, mais t'imagines même pas comment ça me fait plaisir. Mais j'espère vraiment que le mien te plaira aussi autant que ça me plaît, vraiment. Numéro 12, la couleur t'ira à ravir. Ah, le 12. Alors, vu la forme, je pense que c'est un rouge à lèvres. Alors, si la couleur m'irait à ravir, qu'est-ce que ça peut être comme couleur? C'est le 340 Lily Extase. J'adore ces rouges. Oh, ah oui, en effet, la couleur est magnifique. Regardez ça. Oh là là, c'est magnifique rose. Là, pour cet été, il va être trop beau. Ouais, framboise rosé. Oh là là, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Rimmel. Merci. Encore merci. Numéro 13, juste trop mignon. J'ai la même en fan absolu. Je ne pouvais pas y manquer. Numéro 13. Je crois que c'est une coque pour téléphone. On s'était... Elle m'avait dit arrête d'en acheter quand j'en avais acheté une. Alors... Qu'est-ce que tu m'as mis comme coque de téléphone? Trop bien. C'est une coque avec Olaf de... Je crois qu'il est dans la Reine des Neiges. Je ne l'ai pas vu mais j'adore ce personnage. On le voit partout, il est trop mignon. Oh là, elle va aller direct sur mon téléphone. En plus, il y a quoi? Il n'y a même pas 3 jours, je disais à ma mère que j'en avais marre de la mienne avec la feuille clochette que j'avais envie de changer. Ben voilà, tu l'as fait, merci. Ah, elle est trop trop bien. Je vais t'envoyer une photo directe parce que je vais la changer. Ça c'est clair et net. Voilà, moi j'ai celle-là avec la feuille clochette. Donc voilà, je vais mettre Olaf. C'est parfait. Oh merci, t'es un amour, vraiment. On aura la même coque comme ça. Numéro 14, une odeur du soleil. Alors, c'est peut-être un truc au monoï. Ah, ben c'est détaché. Oh mince, donc je sais pas ce que c'est le 14. Oh là 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 là, c'est embêtant. Je dirais, il y a celui-là qui n'a pas de numéro. Si celui-là, il y en a un. Celui-là aussi. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Je pense que ça doit être ça, parce que tous les autres ont leur numéro. Donc je pense... Oh, mais tu m'as mis du chocolat encore. Non mais, tu avais droit de 40 kilos. Oh, mais ça a l'air trop bon en plus. Regardez-moi ça, comment c'est présenté, du chocolat avec des styles de cuillère en bois. Oh là là, mais une... merci. Je pense que ça doit être ça. Je vais l'ouvrir, j'espère que c'est ça le 14. Donc je pense que ça doit être du monoï ou du soleil, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Alors c'est même chez Sephora, ouais ça va être celui-là, je pense, c'est au monoï, donc le soleil. J'ai jamais testé les crèmes de douche de chez Sephora, donc parfait. Je vais essayer d'ouvrir ça pour sentir. Oh là là! Oh les vacances! Ah vraiment, merci, j'ai jamais testé... Oh, mais... Que des trucs que j'ai jamais testé, vraiment trop trop bien, merci, merci encore mille fois. Numéro 15, mon odeur préférée que j'espère, mes odeurs préférées que j'espère tu les aimeras. Alors, ben je vais te dire ça, donc le numéro 15. Le 15, je l'ai. Alors, c'est des tartelettes, j'ai fait le stock en plus, oh j'adore les tartelettes. Mais tu m'as trop gâtée, mais t'es une grosse malade. Oh là 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 là. Je crois que je l'ai la première. Mais c'est pas grave, à faire, à faire. Ouais, c'est plein de tartelettes. Oh, mais t'es un amour, t'es... La première, si je l'avais déjà, je l'adore. Je l'adore, la première, je la connais déjà. C'est la Snowflake Cookie. Vraiment. J'espère que tu aimeras celle que je t'ai mise aussi, parce que j'en ai mise aussi dans le swap. Et vraiment, tu... T'as tapé en plein ami, j'adore les bougies Yankee Candle. La Snowflake Cookie, je vous la présente plus. Je l'ai déjà terminée, je l'adore. Il y a la Season, Moment de Paix, Season of Peace. Oh là là, c'est tout à fait mon genre d'odeur. Elle sent trop trop bon. Je connaissais pas du tout. Ensuite, il y a la Cranberry Ice. Oh, un délice aussi. Donc c'est la glace. Ouais, ça doit être glace de fruits rouges. Trop bon. Et il y a la Christmas Cookie. Et non, je crois pas que je l'ai celle-là en fait. Non, c'est Cupcake que j'ai. Mmh, elle sent trop bon. Merci ma chérie, je suis trop contente, j'adore les tartelettes. Ouh. Ensuite, numéro 16, chose promise, chose due, mythique paraît-il. Et là c'est le produit MAC, là presque je pourrais pleurer, vraiment je vous jure.
J'ai jamais eu de produit MAC et c'est toi qui me l'offres vraiment, donc ça a tout son sens parce que vraiment, merci, mais je sais pas quoi te dire de plus, vraiment merci, je pense que c'est un rouge à lèvres. Oh là 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 là, oui c'est un rouge à lèvres. Mais vraiment, ça me touche, mais tu peux même pas imaginer comment. Oh là, mon premier rouge à lèvres MAC, c'est toi qui me l'offres, vraiment, tu veux. Oh là là, c'est vraiment... Je suis mais trop touchée, vous imaginez même pas. Donc c'est le Satin Mitt A44. Pff, tout à fait mon genre de nude. Pff, voilà, c'est... Oh là là, il est magnifique. Vraiment, mais ensuite, numéro 17, j'ai aussi pensé à ta cuisine. Alors, c'est le gros comme ça. Alors, si tu as pensé à ma cuisine, un livre de recettes. C'est magnifique. Mais t'es adorable. Regardez-moi ça, comment c'est trop chou. Elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Non mais ça, je peux pas les utiliser, hein. Ça va aller dans la décoration dans la cuisine. C'est tellement beau. Ça, comment c'est trop chou, mais t'as trop pensé à plein de choses, mais c'est trop joli. C'est tellement beau, mais merci. Numéro 18, anti-régime. Ah bah dis donc. Vive l'été de Gaël. Qu'est-ce que tu manges? Le 18, anti-régime. C'est un livre de recettes. Ah, il est énorme. T'es une folle. Énorme pour des mini burgers. Non mais ça c'est trop bien. Oh là 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 là. Bah du coup, il faudra vraiment que tu viennes manger un jour chez moi, qu'on se rencontre un jour en vrai déjà, et tu viendras chez moi et je te ferai de la cuisine, quoi, entre les gâteaux, les burgers et tout. T'es adorable, oh là là, mini burger, mais c'est trop cool ça. Le livre est trop... Merci, je sais plus où j'en mets, tu l'as tellement. Numéro 19, idéal pour partir en vacances, odeur à tomber. Alors, le numéro 19... Ah, ben voilà, il est là. C'est des petits flacons. Qu'est-ce que ça peut être? C'est des produits Bath & Body Works. Oh là 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 là, mais... j'ai jamais eu de produits Bath & Body Works. Ça, je pense c'est la lotion, c'est la gamme Paris Amour. Tu m'as pris la gamme Paris Amour, toute la gamme, quoi. Donc, j'ai le lait de douche, la lotion, le gel douche et la brume. Oh là là, l'odeur. Oh, c'est un délice. C'est hyper frais, hyper doux. Pour l'été, ça va être... Et la lotion et le gel douche. Merci. Mes produits... Mais tu vas tout inaugurer chez moi, quoi, ma chérie. Mais merci. Ça sent trop bon. Vraiment. Numéro 20. Et bien sûr, pour ton sac à main. Pour mon sac à main. Qu'est-ce que tu veux mettre dans mon sac à main? Ça va être un petit gel antibactérien. Ah là 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 là, j'en ai jamais testé, j'en avais mis un dans le soap à Mélissa, mais j'avais jamais testé. J'espère qu'on n'a pas pris le même, parce que moi aussi j'en ai mis. Quand j'ai fait la commande des tartelettes, j'ai... Alors, un antibactérien de Angel Pear The Good Guider. Bon, eh, bref, mon anglais. Hein. Oh, il sent trop bon. On sent vraiment la poire, ah ben là, direct dans mon sac. Il est trop mignon, j'avais jamais testé les Bath & Body Works, je suis trop contente. Ouh, tu me gâtes trop. Numéro 21, le cou, le poignet et trois petits points. Le cou, le poignet et trois petits points. Alors là, tu me laisses numéro 21. Le cou, le poignet. Alors là, je ne sais pas du tout. Les oreilles. Ah, t'avais tout fait. Ah, c'est trop bien trouvé. C'est des boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Elles sont sublimes. Oh là là, elles sont trop belles. Merci. Ouais, bah, c'est bon, je suis revêtue. Collier, bracelet, boucles d'oreilles. Merci, elles sont trop jolies. Numéro 22, nouvelle marque, boutique près de chez moi. Tu me diras ce que ça donne. Avec plaisir. Alors, le 22. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dirais au toucher que c'est une palette, je pense. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est une palette.
Alors, je ne saurais pas vous dire e-color, je pense que c'est la marque. Colors in Wonderland. C'est trop beau déjà. Oh là là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Mais c'est sublime. Donc je pense que c'est un highlighter, une poudre bronzante et un blush. Le blush pour cet été, il va être magnifique. C'est un corail pêche. Il est vraiment très très joli sur une peau bronzée. Mais elle est magnifique cette palette. Je sais pas si t'as testé. Je vais t'envoyer ça juste après pour savoir. Face Palette 01. Ça sent bon. Ah, oh, elle est magnifique. Elle est sublime. On dirait une palette, mais elle est magnifique. Regardez le packaging. C'est pas commun. J'adore vraiment beaucoup. Ben, je te dirai avec plaisir parce que demain, je vais me maquiller avec tout ça. Ça va être trop, trop bien. Numéro 23 et de 2, désolé. Et de 2, désolé. Donc, ça doit être quelque chose que tu m'as déjà mis. Alors, le 23, tu es où? Tu es là, le 23. Un gel douche. Je sais pas, c'est une forme carrée un petit peu. Il sent vraiment trop bon le gel douche Tahiti. Ça fait un bail que j'en ai pas acheté. Ben merci. Numéro 24, jamais testé de cette marque-là. Décidément, tu vas tout tester pour moi. Eh bien, avec plaisir. J'adore tester, donc ben, je te dirai ça. Numéro 24. Alors, c'est tout fait. Des patchs Essie. Je savais même pas qu'il y avait des patchs Essie. J'arrive 10 ans après tout le monde. Eh ben, je n'ai jamais testé non plus. Donc, des patchs Essie. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des patchs. En plus, ils sont hyper discrets. J'aime beaucoup pour cet été. Sur une peau bronzée, ça peut faire très sympa. Donc voilà, à tester. Je te dirai avec grand plaisir ce que j'en pense. Numéro 25, encore pour emporter partout. Alors, ça doit être le petit truc. 25. Il est là. Une fois que j'ai vidé les gros, ça va un petit peu mieux. Alors, numéro 25. Oh, c'est des pinces à épiler, c'est trop chou. Elles sont trop belles. Il y en a une qui est léopard, il y en a une qui est bleu ciel. Et sur la bleue, il y a écrit Pretty but dangerous. Oh. Elles sont trop jolies. Alors ça, c'est trop bien parce que j'en ai une de chez H&M qui est pas top. Donc ça, c'est parfait. J'en ai une dans mon sac et une dans ma chambre. Parfait. Merci. Je tourne la page. Oula, t'es une grosse maladie. Au taquet de paquet. Numéro 26. Si ça marche, ça pourrait s'avérer utile. Alors, le 26. C'est tout petit. Qu'est-ce qui pourrait marcher et être utile? Je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'est des patchs dissolvants pour vernis à ongles. Alors ça, en effet, ça pourrait être très très utile. J'ai jamais testé. Ça se présente comme ceci. Alors ça, c'est top hein, parce que moi, ça me fout là. Il faut que j'achète d'ailleurs des dissolvants. Mais j'ai jamais testé ça. Ah, ça, c'est énorme. Sans acétone en plus. Et ça pue pas du tout. Ça pue pas du tout le dissolvant. Vraiment, c'est hyper doux. Green apple, donc pomme verte. Et vraiment, ça sent très très bon. Merci, je connaissais pas du tout. Numéro 27, tout doux. Alors, numéro 27. Où es-tu, petit numéro 27? Je pense que c'est celui-là. Il s'est défait. Ouais, je pense que c'est celui-là. Parce que c'est le seul qui n'a pas de numéro maintenant. Tout doux. Tu m'as fait un bazou, ouais, t'es douce. Mais t'es une grosse dingue. Mais... J'ai envie de pleurer. C'est le kabuki qui est rétractable. Mais. Oh là 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 là, j'adore là, j'ai acheté quelques petits pinceaux, enfin quelques petits, j'en ai acheté que 3, j'en ai que 3, et j'adore vraiment, c'est devenu mes pinceaux préférés. 10 millions de fois merci dans cette vidéo, je suis désolée, mais... Numéro 28, encore pour ta cuisine. Ah, c'est pour mettre le sel et le poivre, non? Parce que je vois sel, t'es pepper. Bouche et moustache, alors c'est trop joli, c'est trop original. Oh là, mais tu t'as trouvé des idées de fou, ça me plaît trop, j'adore. Donc le sel, la bouche, et le poivre, forcément noir. Mais c'est énorme. Regardez-moi ça, c'est trop... Mais pff, je sais pas où t'as trouvé ça, mais ils sont trop mignons. Numéro 29, je pense que tu as déjà testé, mais je n'étais pas sûre. Eh bien, je vais te dire ça. Il a perdu son colis, je sais pas du coup ce que c'est. Alors, on va faire par élimination. Eux, ils l'ont. Je pense que c'est ça. Lui, là aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ah! Oh! Bon, bref, je passe à autre chose. J'ai trouvé ça dans le colis. C'est un baume à lèvres, je pense. Ouais, Tutti Frutti Jelly Belly. Trop bien. Je connaissais pas du tout. Tu me fais découvrir de ces choses.
Merci. Ensuite, bah, tant que j'y suis, il y a des capsules de douche. Alors ça, j'ai jamais testé, de chez Sephora. Il y en a plein. Il y en a une fleur de coton à la vanille et au monoï. Alors, j'en ai jamais testé, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc, à tester. Trop bien. Mais t'es une grosse malade. Merci, merci, merci. Et là, j'ai un I Love, de la marque I Love, Blueberry et Smoothie. Je pense que c'est un baume à lèvres aussi. Ouais, c'est ça, un baume à lèvres. Mmh, elle est trop douce, l'odeur. La couleur, elle est trop jolie. C'est un joli bleu. Oh là là, tu m'as trop gâtée. Je suis trop contente. Merci. Bref, pour en revenir, je pense que c'est celui-là, le 29. Donc, je pense que tu as déjà testé, mais je n'étais pas sûre. Vu la forme, je dirais que c'est un bol... Enfin, les lip balms, là, de chez... Les balmy, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, je pense que c'est ça. Les baumes à lèvres en forme rectangulaire, ouais. J'ai testé le vert, j'avais beaucoup aimé. Et là, ben, tu m'as amené le rose. Parfait, je l'ai pas, donc... j'avais beaucoup aimé, oui. Ah, oh, l'odeur, c'est pas du tout la même. C'est moins frais. Le vert, je trouve qu'il était vraiment très très frais. Du coup, j'avais l'impression qu'il m'agressait un petit peu. Je l'avais bien aimé, mais il m'agressait un petit peu. Celui-là, il a l'air quand même beaucoup plus doux. Oh là là, trop bien. J'adore en plus la forme et la couleur, elle est trop jolie. Donc j'avais déjà testé, mais j'ai beaucoup aimé, donc c'est parfait. Numéro 30, pas cher. Tient super bien, mes favoris. Alors, numéro 30. Qu'est-ce qui est ton favori? Oula, c'est tout petit. C'est la marque Tooby. Ah, je suis trop contente. Mélissa m'avait déjà offert des produits de chez Tooby, j'avais beaucoup aimé. Oh là là, et toi tu reviens avec l'expérience, c'est vraiment top. Donc c'est deux eyeliner, traceurs pour les yeux. Et j'ai deux couleurs juste sublimes, j'ai un bleu. La mine elle est trop bien, rétractable et tout, c'est génial. C'est un bleu marine, vraiment il est trop joli. Oh là là, la mine elle est super, elle est hyper fine, ça va être je pense assez facile puisque je suis une quiche en eyeliner. Et ça c'est un joli violet avec des make-up, ça peut faire trop trop joli. Regardez-moi ça, ce violet. T'es une grosse dingue, une grosse grosse dingue. Merci, je suis trop contente, j'adore cette marque, vraiment, je l'aime beaucoup. Numéro 31, et bien je pense que c'est le troisième, sorry, c'est pas grave. Numéro 31, alors où es-tu petit 31? Tu es là, ça doit être un gel douche. C'est pas grave, j'adore les gel douche. De chez The Body Shop, j'aime beaucoup cette marque, j'ai jamais... Si j'avais testé les gels douche, mais en petit format, j'ai jamais eu. Donc celui-ci, le packaging gel est magnifique, regardez-moi ça. Donc c'est aux fleurs de lotus de Fiji. Ça sent trop bon. C'est hyper doux, j'adore les odeurs douces. C'est, oh là là, pour l'été, là c'est frais, ça pour quand je vais rentrer et tout, de, quand il fera chaud et tout, ça va être trop trop bien. Mais merci, je suis trop contente. Numéro 32, un combo parfait. Je les vois beaucoup plus facilement pour les attraper. Je pense que c'est un petit lot de vernis. Il y en aurait... Oh là là, c'est des vernis. C'est une full color. Comme je vous l'ai dit, je vais trop tester. Mélissa m'en a offert deux aussi. Oh, ils sont magnifiques. Regarde, cette couleur, elle est sublime. Là, vous la voyez vachement plus pailletée dorée. En fait, elle est quand même plus rose dorée. Oh, c'est vrai que les couleurs, elles sont magnifiques. T'as très bon goût, vraiment. Merci. En plus, il faut que je me fasse les ongles. Donc, voilà, merci. Numéro 33, une petite touche de lumière. Alors, un petit highlighter, un petit crayon pour illuminer le regard. Ouais, c'est très doré, donc je pense que c'est de chez Catrice. Trop bien. J'adore quand vous voyez des produits de chez vous, nous on n'a pas tout ça. Donc c'est un highlighter, un stylo, vraiment j'adore. Oh là là, la couleur elle est... Je swatch. Elle est trop trop jolie là. Il est rétractable et tout en plus. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente. Numéro 34, as-tu testé? De rapport qualité-prix est excellent. Alors, si le rapport qualité-prix est excellent, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est un rouge à lèvres, si je ne me trompe pas. C'est la marque Sleek. J'ai jamais testé la marque Sleek. Oh là 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 là. Mais je suis trop contente, je vais tester plein de choses. J'ai jamais testé. Oh, tu me fais découvrir tellement de choses. Oh là 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 là. Non, je les ai jamais testés. Oh, les packaging, ils sont trop trop... Déjà, la forme, elle est hyper... Enfin, c'est pas commun, quoi, d'avoir un rouge à lèvres comme ça. Oh là là, et la couleur. Mais regardez-moi ça, c'est... Un... Il est un petit peu plus rosé que le celui de chez Rimmel qu'elle m'a offert. Il est un petit peu rouge-rosé. Il est magnifique, il est framboise. J'ai jamais testé la marque Sleek. Mille merci. Numéro 35, oh encore. Oh là là, mais je suis trop contente, tu peux même pas imaginer. C'est magnifique, regardez-moi ce packaging, je voulais trop tester cette marque.
il est sublime. C'est un joli... Vous le voyez un peu plus orange, j'ai l'impression à la caméra, mais il est pas si orange que ça. Oh là là, il va être sublime pour cet été. Il a un petit côté doré, il a des reflets magnifiques. Oh là, avec la glace et tout. Ah, c'est un super beau produit, vraiment. Merci. Numéro 36, tu m'as dit que tu voulais tester la marque, tu pourras commencer avec ça. Oula, j'ai dit que je vais tester plusieurs marques, donc... J'avais dit The Balm, parce que j'avais pas testé à l'époque, donc je te l'ai dit. Je crois que c'est le produit The Balm. Le seul produit que j'ai, c'est là, la palette que j'ai eu récemment, que j'ai acheté en vente privée de... Oui, c'est un blush, je crois. C'est le Dawn Boy fard à paupières, fard à joues. Oh là 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 là, mais c'est une grosse dingue. Les packagings, ils sont magnifiques, regardez ça. Oh là 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 là. Ah ouais, il est sublime, sublime. C'est un magnifique rose. Je sens tous les produits, je ne sais pas pourquoi. Oh, le packaging, il est sublime. Ah ouais, le rose est trop trop beau. Je voulais trop tester les blushs The Balm, mais... Merci. Numéro 37, et le petit dernier pour la route, j'ai le même. Alors, qu'est-ce que tu aurais? Le dernier, enfin, il y a un petit bonus, quand vous voyez le bonus, c'est le bonus Occitane, donc ma foi c'est un très beau paquet. Lollipops rouge à lèvres mat et repulpant. Alors le seul produit que j'ai de chez Lollipops, c'est un gloss que j'avais eu avec un magazine quand on fallait rajouter je crois 2-3 euros, et j'aime beaucoup ce gloss, je l'ai quasiment bientôt fini. Donc après en soi j'ai jamais réellement testé cette marque. Ah, comment il est magnifique, c'est un packaging mat avec écrit Lollipops. Hop, il y a le petit autocollant. Mais c'est magnifique. Ah ouais, moi le gloss que j'ai il est pas du tout comme ça. Oh là 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 là, il est mat là avec des petits dessins, je vais y arriver, en forme de lèvres. Oh, et la couleur elle est magnifique. Oh oui, regardez, il est juste là. C'est tout à fait le style de couleur que je porte. Plus le bonus, alors le bonus l'Occitane, mais regardez-moi ça. J'ai jamais testé les produits l'Occitane. C'est magnifique, regardez ça, c'est sublime, c'est dans une petite pochette. Oh là 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 là. Alors dedans il y a la mousse douceur fleur de cerisier. Le packaging il est sublime déjà, ça sent trop bon. Ensuite dedans on a l'eau de toilette fleur de cerisier, c'est trop trop, regardez ça, c'est super joli, la forme elle est trop jolie. C'est hyper doux, j'adore les odeurs. Ensuite, on a le savon, je pense, ouais, fleur de cerisier. Je vais pas l'ouvrir parce que bon, c'est la même odeur et je vais pas ouvrir tout ça. Ensuite, il y a le baume à lèvres, toute la collection, mais c'est trop trop bien. Au top, au top, au top. Et ça, je pense que c'est la crème pour les mains, ouais. Packaging, j'aime beaucoup, je voulais trop tester les crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Merci Émilie, mais... J'en reviens pas vraiment de tout ce que t'as mis, mais c'était juste parfait, je sais pas quoi te dire, à part merci vraiment, je sais vraiment pas, c'était juste magnifique, on a vraiment galéré à le faire, à se l'envoyer et tout, que je suis vraiment très très contente d'avoir fait ce swap avec toi, voilà, de tout ce qu'on s'est offert, j'espère que le tien te plaira vraiment autant que le tien me plaît. Logique, parce que vraiment il est au top, la vidéo est dure, 50 minutes, bon je monterai, je couperai en deux parce que c'est pas possible, mais vraiment c'est juste parfait, c'est vraiment pour rencontrer des personnes extraordinaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et voilà, je suis vraiment trop trop touchée par tout ce que tu m'as offert, c'est vraiment merci, merci, et je pense que je vais arrêter de dire merci. Voilà, donc je vous fais à toutes de gros gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Émilie, je te fais de gros 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 bisous, je cours t'envoyer un message, et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.